what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want. Bonjour à tous, c'est Jen Tetsua et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Palworld. Aujourd'hui, prochain boss, on va juste récupérer notre petit pal adoré, Felbat. Faudrait lui donner un nom. On va laisser le Chilet, car j'aimerais bien un petit peu nous balader avec Cuiverne. Chilet, son truc spécial c'est aussi d'être monté, donc... Voilà, on aura deux montures. On a un niveau 25, les autotables au niveau 23 et le gilet. Le pal qu'il faut qu'on renomme pour lui donner un nom. Comment est-ce qu'on pourrait lui donner? Elle nous rend la vie. Elle nous heal. Donc voici le petit pistolet rouillé que nous avions... débloqué dans le dernier épisode. Donc ça y est, on récupère. Alors, attaque 320. D'accord. Un pistolet artisanal obtenu à partir de Camelot, plus adapté au combat de proximité. Il tire une balle à la fois et munitions bas de gamme. Donc lui, il fait 320. Et lui, il fait 1000. Et lui, il fait 40. 40. On va dire c'est l'arc de là. Est-ce qu'on peut fabriquer des munitions? Il faut des lingots et de la poudre à canon. D'accord. Pour la poudre à canon, il faut du souffle. Ça veut dire que le prochain épisode, on fera certainement un donjon pour récupérer du souffle et aller battre un boss. Non, pas là. Donc là, on a fait du tissu. Et il nous manque juste les lingots de métaux pour faire l'armure, la prochaine armure. Donc lui, vas-y, fabrique une poudre à canon. Hop là. Donc là, suffit, oui. Arrête. Là, on va... Du coup, il y a 6 munitions. Ok. Bon, et c'est parti. Voyage rapide. Donc on s'était dit celui-ci et qu'on allait essayer de faire... jusque là. Donc le truc le plus proche, c'est lequel? C'est celui-là. Je n'en ai pas énormément d'idées. Faudrait peut-être qu'on mette un... On peut peut-être mettre un marqueur. Si, marqueur, là. Ah. Ça ne marche pas comme ça. Donc si on se met ça comme ça, raté. Si on se met comme ça... Voilà. Ah, attends, ça bouge. Non, il bouge. Ok. Et si on se met par là? Oui, on va vers le pont en fait. On va pas tout de suite mettre le fusil, on va attendre un petit peu qu'on ait un pal intéressant. J'ai construit le truc? Ouais, c'est bon. Du bois. Ok, donc il est dans le bois à côté. Je suppose qu'il y a un passage par ici. Oui, du bois. Donc si on croise une mine de fer, on va la miner. Ouais, j'ai l'impression qu'on doit monter et non descendre. C'est embêtant qu'on ne puisse pas sélectionner un boss et lui dire « Je veux aller là. » Ah, une mine. Et eux, on les a pas en mode x10. Oh punaise, il a pris cher lui. Ah, il a tué du premier coup. Ok, donc 5 sur 10. On va aller miner. Ah, on le voit le boss. Il est juste devant nous. Il y en a qui sont dans des petites cavernes et il y en a qui sont en dehors.
Donc lui il est en dehors. Sparky, je crois qu'on est là. On est là à fond les Sparky, il me semble. On est dans le rouge. Il n'y a pas d'autres petites bestioles à côté, il y a lui là. On va faire appel à notre Quivern pour sa première. Ah, arme cassée et on s'est un petit peu trop lâché. Supprimer. Ouais. Non, il nous en manque encore. Ouais, lâche le bois, c'est pas grave. Hop là. Sur le cross derrière. J'ai déjà tiré un grand coup avec celui-là. Merde, j'ai changé. Bon, c'est pas grave. Ah, mais il est avec ses copains! Et je voulais le capturer! Tant pis! Tu capturera celui-ci! Merde, je suis trop lourde! Mais attends, je suis trop lourde, du coup, je peux pas esquiver! Jeter, oui! C'est encore trop lourd! Oui, c'est bon, c'est pas grave! Ouh, heureusement! Donc, on en a capturé un sur deux, c'est ça? J'ai pas vu. J'étais occupée à. Putain, il fait attaque patapouf. King Paka. Donc c'est le roi des... Oh, mais il fait beaucoup de dégâts. Oh, ça c'était l'esquive... Alors. Arrête de tirer. Oh, c'est génial! Capture du prochain boss, Kim Paka. On a eu deux boss, deux captures, c'est génial. Oh, ils ont tué le Ruchard. Bon, on est plein à craquer dans notre inventaire, du coup on va retourner à notre camp de base. Ah, donc on avait bien mis un truc, mais ça s'affichait pas sur la map. Ok. D'ailleurs, on va aller par où? Ah, ça tourne. Hein. Allez, here we go, camp de base. C'est chiant qu'on puisse pas se téléporter de n'importe où. Ce serait bien une mise à jour où on peut se téléporter de n'importe où. Putain, j'ai pas des trucs à jeter pour pouvoir garder le plus de minerais possible. Oh, tiens, ça c'est intéressant. Ça aussi. Bon, on a déjà quand même pas mal de minerais. Renforcé. Bois. Confirmé. C'est bon. Ah mais non, elle était cassée, notre... Bah oui, elle était cassée. C'est pour ça que ça marchait pas. Alors, là-haut, il y avait l'église. Ça sera un petit peu chaud de remonter à l'église. D'ailleurs, toi, reviens. Eh mais si, attendez. On a lui là. Donc montez. Non. Non. Attends. Voler vers le haut. Ah oui, il faut faire ça. Ah non, juste maintenir. Ok. Non mais j'ai pas beaucoup expérimenté le vol avec notre petit dragon. Putain, c'est bien ça. Grande vue sur l'église. Vol vers le bas avant qu'on se casse la gueule parce que t'as plus d'énergie. Alors, hop là. Et ben voilà, on peut aller partout en fait avec lui. Alors, descendre.
Alors on retourne vite fait au camp. Flamme spirituelle apprise. Oh, elle a appris quelque chose, notre petite. 20. Donc on a donné tout ce qui était intéressant ici. Ensuite, tout ce qui est intéressant. Non, mais ça. Tiens, on va garder ça. Tiens, prends ça. Poudre à canon. Ok. Il nous faut du soufre maintenant. Il y a un petit peu de charbon de bois. On n'a toujours pas débloqué d'autres œufs. Ah, tiens, c'est dommage. Faudrait qu'on regarde un petit peu plus loin pour avoir d'autres œufs. Alors, les sous, on les met là. Poudre à canon, on peut la mettre là. Oh, c'est pas grave. Alors, dans notre petite armoire, on va laisser notre batte. Ah, on avait la matraque aussi. Les pales électrocutées sont plus faciles à capturer. On va la garder. Là, on a notre petite arbalète, le petit arc. On va garder l'arbalète. On va poser l'arc. Oui, je sais que t'es là, toi. Lopman. Alors, qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre? Ah oui, réparer. Oh mais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Plus, j'ai l'impression que t'es buggé. Je veux vendre. Non, mais pas ça. Attendez, on avait des trucs qui valaient beaucoup d'argent. On va lui donner. C'est ça, là, ça vaut de l'argent. Prix élevé. J'ai l'impression que ça ne fait que se vendre. Donc on va lui vendre. Ah non, banane. Il est où? Il est parti? Où es-tu, monsieur? Ah, il est là. C'est moi qui étais bigleuse ou... Alors... 850. Ouais, vas-y, je vends. Ouais, moi je vends. Maintenant, je veux acheter. Qu'est-ce que t'as? Ok. Ne restaure pas les PV, ne restaure pas les PV. Bah ça, pour l'instant, on est plutôt bien. Hein. Donc on utilisera l'argent qu'on a pour acheter des pales au hameau. Du coup, niveau pales, on est bon. Il y a lui qui est en train de faire les métaux. Ça nous fera 40. Hein. Je pense que pour le prochain épisode, on va pouvoir fabriquer le truc. Est-ce qu'on peut le capturer ? Oh. Ah merde! Ils l'ont tué. C'est con. Alors, on va retourner du coup, maintenant qu'on a capturé le pal, on va aller au hameau, qui est ici. On va voir si on peut acheter un pal. On est innocent, on a pas du tout agressé un pauvre homme venu vendre des trucs dans notre hameau. Je voulais le capturer, moi. Je veux acheter. Qu'est-ce que tu as comme pales? On les a tous. C'est dommage. Et non, je te vends pas d'autres pales, du coup. Parce que t'as pas de trucs intéressants. T'as rien d'intéressant. Ni triste. Alors, pour aller jusqu'à lui... le pont il est quand même vachement haut par rapport à nous. On va plutôt retourner là-dessus. Église désaffectée. Alors, le pont est là, donc techniquement,
Si on va tout droit, c'est terre inconnue. Va pour la terre inconnue. Tu veux pas voler? Oh, c'est pas grave. Bon, on survole le truc. Y a pas d'œuf. Y a des alpagas là? C'est voler vers le haut qu'on veut faire. Des fois, je comprends pas hein, comment fonctionne ce truc. Alors, faut appuyer longtemps. Là, repose-toi. Non, voler vers le bas. Il y a un œuf là-bas. Mais nous, il faut plus qu'on aille là-bas. Ça tombe bien, il y a un petit camp, donc on va aller jeter un coup d'œil au petit camp. Ah, il y a un endroit pour sauvegarder là-bas. Et là, c'est certainement l'endroit où on peut aller affronter l'autre boss. Ah oui, on voit la lumière bleue là-bas. Ce sera pour le prochain boss, ça. Je sais pas à quelle heure on a commencé le... Allez, voler vers le bas. On va balancer notre cuiverne. C'est quoi toutes ces petites plantes aux alentours? C'est parti! Ah non, il l'a tué. Il balance des grenades. Ouais, on va le capturer. Ne lance pas de grenade, elle est certainement pas à tes pieds, je vais me faire avoir avec toi. Va pas la tête. Plus les braconniers, si on les affronte, ils ont peut-être des munitions pour nous. Mourir tout seul, hein. Ouais, j'ai toujours le petit réflexe de balancer une petite sphère de temps en temps. Ah, niveau 24! Oh, un pinguette! Bon, on l'a déjà, mais on l'a pas 10 fois. Donc on va avoir des XP. Plus 1275 XP. Je sais pas vous, mais moi... Oui! D'accord! Je veux! Un peu mon neveu. Toi d'ailleurs, on t'a pas x10. T'es niveau 12, ça risque d'être un petit peu embêtant. Pour te capturer. Il est en bas le niveau 3 là-bas plus loin. Oh. 19% de chance. Qui dit mieux? Eh ben, pas lui. Lui, il a dit non. Non, c'est bon. C'est un décès. Arme cassée! On l'a pas réparée! Ah! Tristesse et désarroi, tant pis. On sait qu'il y en a ici. Oh, pauvre lambe. Mais t'es obligé de les tuer tous? Non mais eux, ils nous ont pas agressés. Alors, on sait qu'ici, il y a du minerai. Et en plus, c'est tout près d'un point de sauvegarde. Donc, moi, je dis, c'est cool. Bon, reviens ici, toi. Hein. En plus, t'as faim maintenant. Maintenant que tu tues tout le monde. Hop. La palle qu'on a... La sphère qu'on a balancée n'importe comment. Médicament. Non, c'est celui-là qu'on voulait. Alors, donner à manger moi-même. Il y a cet ogre. Qui est un moins gros ogre que celui-là, quand même. Peut-être parce qu'on l'a laissé sorti. Alors, on va débloquer la map. Oh, il y a un autre! Ah, et lui, il est niveau 17! Azur robé. On va aller le voir, si on le trouve. Enfin, si on le look. I'm looking you.
Ceux-là, on les connaît pas, hein, les Woolly Loops, là. Et comment je les capture, moi? On peut aller dans l'eau? Oui. Oui, cette eau-là, on a le droit d'aller dedans. Faire attention, parce qu'il y a peut-être un moment où on n'aura plus le droit. Écoutez, on va les tirer dans les fesses. Waouh, 8%, énorme. Ah non, pourquoi t'es tué? Là, c'était quand même... oui, mais je me suis trompé de bouton, j'avoue. Il est resté en PV. C'est le boss qu'on voit là-bas dans le fond. Au moins on a de l'huile de palme de qualité. J'ai vu un autre truc. Genre lui là, il est trop mignon. Il est trop mignon. J'ai tiré dans le vide. Mais... Oh non, j'ai tué. Viande de Kalsia. Nous... on le veut, nous, on veut pas le tuer. Voilà, 16% de chance. Il faut vraiment que j'améliore mon taux de drop. Ah, ah non. Tu vas te faire tuer par Digimon, là. Vas-y, je mets la méga. J'ai mis la méga. Yes. Mentalement instable, ça c'est con. Les Castellanés dans une étendue d'eau croupies ont généralement tendance à mal tourner. Elle est pas croupie, celle-là, elle est magnifique. Donc là, on a le petit boss, là. Niveau 17. Ah, il y a un œuf aussi. On va aller chercher l'œuf. On va aller se battre au camp, là-bas. Donc là, on a eu un nouveau pal. On est content. Œuf chaud. J'ai mis celui-là. Niveau 15, les braconniers. Allez, toi qui voulais tuer tout le monde, vas-y. Mais pas lui. Allez, viens. Viens, ici. Oh, balle de pistolet. On va bientôt passer au niveau 26 quand même. Avec tout ça. Oh, il y avait des lavavaches. Il y a des vavaches ici. Ah non, on veut les vavaches. Ça fera du lait dans nos fermes. Pourquoi faire du lait? J'en ai aucune idée, mais ça fait du lait. Munitions bas de gamme, 2. On sera pas venu pour rien. Coucou toi, tu es notre troisième... Oh, ça y est, niveau 26. Niveau 26. C'est un peu relou à résister autant. J'aimerais bien une petite épée pour pouvoir faire beaucoup de dégâts quand même au corps à corps. Parce que bon, la lance ne fait pas beaucoup de dégâts, la batte non plus, la matraque c'est juste pour améliorer notre chance de capture. Mais c'est jamais le meilleur. Et bah voilà. Une meumeu dans le coin? Une meumeu vivante? Là, il y avait des bulles. Ah, c'est des Pokémon aquatiques. Ah non, il y a lui, là. Il y a lui. Alors, regardez, on va mettre ça. Hop, 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 hop. Alors... vas-y, j'ai même pas le temps de changer en amatraque que vous me l'avez déjà déglingué. Oh. Putain, vous deux, vous filez du mauvais coton. Oh, on a des barbes à papa. En plus, il vient de gagner un niveau. Genre, il a été récompensé par sa bêtise. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans le noir, on va pas bien. Ah, c'était des chasseurs. Tiens, on va le taper avec ça. Ah.
C'est un décès pour lui. Bon, là, on va pas leur dire non. Bon. Fait noir. Azur robé. Elle est mignonne. Hein. En plus, il est pas loin du point de... point de sauvegarde. Du point de téléportation. Fait noir, là, vous trouvez pas? Dans le jeu. Je me balade toujours quand il fait noir dans le jeu. Ah, il y a un truc vert là-bas. Ah, c'est une sphère. Par contre, il y a encore des messieurs qui dorment. Ah, je crois qu'elle l'a repéré. Vas-y, il y en a un qui peut passer niveau 26. Oh! Merde, c'était l'arme à feu. Je venais leur voler leur... C'est que ces trucs. Alors, ils ont résisté. Ouais, 4% de chance. Mais en plus, ils sautent. Comment ça? 4% de chance. D'accord. Et en plus, on l'avait jamais. Ah bah lui, il a... décès. C'est un décès. Donc on a eu deux nouveaux pales. Un pal d'eau. Un pal de nuit. On a manqué de capturer le pal mouton qu'on a vu dans l'eau. C'était dommage. Mais après dans le prochain épisode on va avoir quand même l'autre pal. Enfin, je ne sais pas si on va pouvoir le capturer. Niveau 17 avec ces deux abrutis là qui nous tirent des balles réelles tout le temps. On va tenter. On va tenter. Loopman, des Loopman, il y en a pas partout. Vas-y, on va les agacer. Oh, un coffre. Peut-être des trucs intéressants. Ah, il y a également un point de sauvegarde plus loin, j'ai l'impression. On va aller là-bas. Il a rien demandé, il s'est agressé comme jamais. Non, mais moi je veux rien. Je veux juste un Loopman. Yeah! En plus, vu le niveau, on a eu plus 1000 points. 6%. Oui, bon, j'abuse un peu. Mais ça passe! Ouh, ça y est! Corps robuste appliqué! Génial! Bon, bah lui, il est stabé, il est cool. Et en plus, on a un autre point de téléportation juste ici, avec plein de Loopman derrière, j'ai l'impression. Ah non, c'est les petits oiseaux et un Loopman. Ok! Voyage rapide! Donc, on a deux boss à faire! Deux! Il y en a un là? Il y en a un là? Lui, il est un peu trop fort, je crois. Elle aussi? On n'a pas encore le niveau? Après, on a encore de l'explo. Niveau 30. Niveau 28. Niveau 31. Non, lui, on sait que c'est un niveau 40. Oh, on en a encore quelques-uns à faire avant notre décès. Notre camp, il est ici. Arrête de tuer tout et n'importe qui. Alors. Donc on va récupérer des trucs ici. On va les transférer ici. Donc il y en a 42. On va redonner un petit peu de vie à notre pioche. Oui. Ça aussi. Bon, du coup, j'ai plus assez de lingots de métaux. Que j'ai encore assez de lingots de métaux. Arrête. J'en ai 37. Il nous en manque 3 pour faire l'armure. C'est une déception. On va retourner vite fait. Je sais plus où. C'était ici là. On va retourner vite fait ici. On s'est agressé, on est arrivé, on s'est déjà agressé. Tiens, mange ça. Il rigole pas lui. Voilà, pièce d'or, mission bas de gamme, très très bien. Ah, c'est là-bas. C'est nous, on veut une armure avec un petit peu plus de défense. Donc ça à la place de la matraque.
Yeah. Il est content. Bon, on le garde avec nous, hein, comme ça il agressera tout ce qui passera à proximité. Je vais prendre la défense. Il y a un truc dans l'herbe. Qu'est-ce que c'est? Attends. On va tenir ça. Voilà. Ah, c'est un œuf. C'est un œuf. Il y a des Tandy et des Sparky ici. Ok. Ils se font agresser. Ouais, il me semblait bien que ça allait être un peu trop. Bon, bah let's go! Ramener le métal à notre... notre camp. Et dans le prochain épisode, on aura notre pistolet, mais aussi notre armure! On y arrive, on y arrive, on y arrive. Je porte trop d'objets. D'ailleurs, toi, reviens. Ici! Alors, paf, paf, paf. D'ailleurs, pour le charbon, il faut du bois. Donc, rien de plus facile. Hop là. D'ailleurs, le dernier, à chaque fois, j'en ai toujours un qui traîne dans mon inventaire. Ah non. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, du charbon. Ah, on va mettre notre petit œuf qu'on vient d'avoir. Comme ça, dans le prochain épisode, peut-être qu'il sera éclos. Hop là! Maintenant, on va récupérer notre nouveau pal. King je sais pas quoi, là. Oh putain, lui, il est trop mignon! Trop mignon! Moi, à la place de lui. Point de statut disponible. Qu'est-ce qu'on va s'améliorer? Si on s'améliorait un petit peu les PV, oui, c'est une bonne idée. Après, ce sera l'endurance, je pense. Alors, lui, il peut être utilisé comme monture également. Bah, calme-toi. Pauvre Chikipi. Donc, voici notre nouveau pal. Bon, il aime pas trop les Chikipi, apparemment. Donc, ceci clôt cet épisode de Palworld. J'espère que celui-ci vous aura plu. Dans le prochain épisode, nous partirons à la conquête d'un autre boss. Capture, peut-être. On verra. Et j'espère qu'on aura une nouvelle armure. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de notre conquête de boss.